Avant de développer tous ces titres, sachez que le référentiel de développement au Burkina Faso surfe toujours sur la vague du succès auprès des bailleurs de fonds. La banque d'investissement annonce 200 millions de dollars pour le financement de la mise en œuvre du PNDS. Le président de la BIDC a été reçu ce matin par le chef de l'État. Il en parle à l'issue de l'audience. Nous sommes ici ce matin pour rencontrer le président parce que c'est ensuite à la réunion des bailleurs de Paris en décembre et nous avons tenu à revenir voir son Excellence pour lui faire le point des activités de la banque aussi bien au Burkina que dans la sous-région CEDEAO. So far, we have financed about 20 projects here at Burkina Faso. Nous avons financé au Burkina déjà beaucoup de projets, une vingtaine, dont 11 pour le public, et autour d'à peu près 100 milliards de francs CFA. Nous avons commis 100 milliards de francs CFA. Under the PNDS 2016-2020. Et nous sommes engagés pour le PNDS où nous avons pris la résolution de mettre 200 millions de dollars sur les projets du PNDS. 100 milliards CFA francs dans les différents projets en Burkina Faso.